Le marché parisien reste hésitant ce midi, en repli de 0,1%. Et malgré l'annonce d'un déficit record, le titre Crédit Agricole bondit ce midi de près de 5%. Les investisseurs saluent le nouveau plan d'économie de la banque de 650 millions d'euros à l'horizon 2016. Le marché semble faire payer à l'inverse à Accor une baisse de son dividende. Le titre perd 3,7% après la publication de comptes 2012 proches des attentes. France Télécom dans le rouge après l'annonce de ses résultats 2012 proches des attentes également. Et puis Havas sanctionné, c'est la croissance organique du dernier trimestre qui a déçu les analystes. TF1, de son côté, perd 4%. Ce sont les prévisions très prudentes pour 2013 qui ont refroidi le marché. Le titre Lafarge est à l'honneur ce midi en hausse de 5,6% après des résultats 2012 solides. L'année s'achève sur un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en hausse de 3% et un bénéfice net ajusté de 772 millions d'euros. Cette année, Lafarge anticipe une demande de ciment en hausse et une croissance de ses marchés comprise entre 1 et 4% par rapport à 2012 tirée par les pays émergents. Le cimentier qui confirme enfin son objectif de ramener sa dette à moins de 10 milliards d'euros le plus tôt possible en 2013. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.